Les hommes préfèrent la guerre et le chaos plutôt que de voir leur destin leur échapper. Les institutions européennes sont contraires à ce qui fonde le génie européen. Cette guerre était prévisible. La méconnaissance des dirigeants européens a amené là où nous en sommes. J'avais dit au président Macron, tu dois recevoir tout de suite les gilets jaunes à l'Élysée. Il a fait le maire. Il a mis Édouard Philippe entre lui et les gilets jaunes. Il ne sent pas les choses, il n'incarne pas. Changer les institutions ne changera absolument rien. Notre crise est une crise de souveraineté. Il n'y a plus de promesse que demain sera meilleur. Où va la France et surtout où vont les Français? Alors il y a 6 ans défilaient les gilets jaunes, il y a 1 an les Français manifestaient contre la réforme des retraites et récemment les agriculteurs ont fait trembler la Macronie tandis que le chef de l'État envisage la possibilité d'un envoi de troupes en Ukraine. Alors les Français sont-ils toujours ce peuple contestataire dont on dit qu'il est imprégné de politique ou ce peuple déclinant et résigné comme on nous le présente parfois désormais? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir le politologue et essayiste Stéphane Rosès, enseignant en Sciences Po et HEC et président de l'Institut CAP. Alors, je précise également que cet entretien est enregistré le 1er mars. Alors Stéphane Rosès, déjà tout d'abord, bonjour et bienvenue chez Front Populaire. Alors l'actualité récente la plus marquante au niveau international, il faudrait qu'on aborde ce point dans un premier temps, c'est sans doute cette sortie d'Emmanuel Macron le 26 février, alors je le cite, « L'envoi en Ukraine de troupes occidentales ne peut être exclu à l'avenir. » Une déclaration qui semble avoir surpris et même embarrassé une partie de son camp politique. Quel jeu joue le président de la République? Sur la question ukrainienne, le président français essaye de montrer que la France est active, profitant sans doute d'un désarroi européen, notamment de la part de nos amis allemands. Ce qu'il y a de frappant sur cette crise européenne, c'est qu'au travers de l'Ukraine, c'est de voir à quel point les choses importantes ne se décident pas en Europe. Elles se décident à Washington, à Moscou, à Pékin. Et au fond, derrière ce qui advient, il y a une interrogation sur l'incapacité de l'Europe d'avoir une vision stratégique autonome. Le président Macron revendique ça, mais ses initiatives à contre-temps, intempestives, sans concertation avec les partenaires européens, rajoutent la peine à la peine et dramatise une situation et au fond affaiblit l'Europe face à Vladimir Poutine. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Parce que depuis finalement maintenant une trentaine d'années, l'Union européenne a prétendu construire l'Europe contre ses fondamentaux, que sont les peuples européens divers et les États-nations. Puisque le projet de l'Union européenne compte le génie européen, qui est depuis Mare Nostrum, de faire de la diversité des peuples du commun, eh bien, le propos néolibéral de l'Union européenne, c'est l'inverse. C'est de fusionner des peuples en dépassant les États-nations au travers du respect de procédures économiques uniques. Et on le voit là, viennent d'être décidées des mesures post-Covid, à nouveau de réencadrement austéritaire des politiques européennes, de sorte que le ministre de l'économie a annoncé qu'il faudrait faire 100 milliards d'économie budgétaire. Donc, au fond, si l'Europe s'affaisse dans tous les domaines économiques, de recherche, d'éducation, si le peuple se renferme entre eux, si l'Europe sort de l'histoire,
sur l'Ukraine, par exemple, c'est parce que ces institutions néolibérales, l'Union européenne, sont contraires au génie européen, de sorte que les peuples, se sentant dessaisis de leur destin, se renferment sur eux-mêmes, parce que chaque peuple a un imaginaire propre, une façon de voir, d'être, de faire, et ensuite, ça c'est pérenne. Dans ma grille d'analyse imaginariste, dans mon livre Chaos, Essai sur les imaginaires des peuples. Donc, mon analyse de l'histoire est la suivante, elle résulte de l'articulation entre les imaginaires des peuples pérennes, leur façon de voir, d'être et de faire, et les formes sans cesse changeantes qui s'y encastrent, que sont les formes religieuses, les formes politiques, les institutions, les rapports sociaux et les rapports géopolitiques. Donc, les institutions européennes sont contraires à ce qui fonde le génie européen aux origines de la civilisation occidentale, qui est de faire de la diversité des peuples du commun. Et donc, tout s'affaisse par le bas, tout s'affaisse par le bas. Et l'incapacité des Européens de penser l'après-chute du mur de Berlin, de penser la possibilité d'intégrer la Russie dans un pacte de sécurité, la possibilité de comprendre qu'une nation ukrainienne nécessaire, mais non fédérale, russophobe, ne pouvait que susciter en réaction de la part des Russes qui ont un imaginaire impérial, le sentiment d'être agressé, parce que depuis des siècles, depuis Néant, depuis les chevaliers teutoniques, les armées napoléoniennes et les armées nazies, les Russes, dans leur imaginaire, ont besoin de se dire qu'ils ont un arrière-fond géographique très vaste, puisqu'ils sont privés de relief pour se défendre. Donc la méconnaissance des dirigeants européens sur ce qui fait l'imaginaire impérial russe, les imaginaires des peuples d'Europe centrale qui oscillent sans cesse entre est-ce qu'on est une nation, est-ce qu'on veut être une nation, ou est-ce qu'on se met à l'abri des empires. Bref, cette inculture totale qui procède d'une vision économiciste de l'histoire a amené là où nous en sommes. Quand Angela Merkel disait « Poutine est irrationnel », elle voulait dire « on ne comprend pas, on noue des échanges économiques avec lui et il ne nous entend pas ». Ben non, Poutine n'est pas irrationnel, c'est un Russe, c'est pas un Soviétique, c'est un Russe. Et c'est pas un Allemand. Les Allemands, après 1945, perpétuent un imaginaire disciplinaire et procédurier du militarisme et du totalitarisme nazi, après 1945, à l'économicisme, l'ordolibéralisme, des procédures économiques, plus les procédures juridiques, la Cour de Carlson, plus les procédures démocratiques, la conception d'Habermas sur le patriotisme constitutionnel. Donc, ces élites européennes nourries à l'économicisme et au néolibéralisme sont incapables de comprendre les ressorts profonds des peuples et donc ont rendu possible cette guerre en Ukraine et l'agression de Poutine. En un mot, cette guerre était prévisible, elle a même été prévue, pas seulement par des Européens
où des gens partageant mes analyses, mais même par Brzezinski, Kissinger, qui venant d'Europe centrale savent ce que sont les peuples, ont une conception réaliste des peuples. Ils avaient dit, si on otanise l'Ukraine, les Russes ne laisseront pas faire. Donc il est arrivé, s'il est arrivé, par méconnaissance et au fond, par pensée néolibérale où on pense que les peuples sont mus par la prospérité. Le Covid a montré l'inverse. Toutes les civilisations ont arrêté les économies pourvu de réagir ensemble face à un défi qu'est une pandémie. Et même les libertés individuelles ont reculé. Voyez donc ce qui fait, ce qui anime les peuples. C'est ni la force des idées, ni les forces matérielles, ni la force de la démocratie, ni la force de la prospérité. Ce sont des imaginaires qui doivent s'assembler face à des périls qui font que on arrête l'économie et dans nombre de pays, les libertés individuelles reculent. Mais sur la question de l'Ukraine, quel est le rôle de la diplomatie? Parce que ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas su comprendre, mais finalement c'est le rôle de la diplomatie aussi de comprendre. Et on a du mal à voir, par exemple, la sortie d'Emmanuel Macron dont on parlait tout à l'heure. Elle a finalement été très contestée au sein même de l'Europe, l'Allemagne en tête, et même sur la question israélo-palestinienne, on a du mal à voir quelle est la voie de la France. On a l'impression d'un bateau qui navigue à vue. Est-ce que c'est une évolution récente? Est-ce que je me trompe en ayant ce propos? Non, ce n'est pas une évolution récente, mais la psychopolitique d'Emmanuel Macron la pousse à son paroxysme dans un contexte de dislocation de l'Europe. Donc, la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est cultivé, mais il ne sent pas les choses. Il les comprend intellectuellement, mais par absence d'enracinement, il représente, il n'incarne pas. Il sait en théorie ce qui me plairait comme discours adressé à la nation, mais il occupe un État qui défend l'inverse de l'imaginaire français. L'imaginaire français, depuis les Celtes, les Latins et les Germains, c'est pour rassembler des Celtes, des Latins, des Germains, on procède à la vision, à la construction de l'avenir. Notre imaginaire est projectif et universaliste. Et le moteur en est sans cesse des disputes communes qui fait que la passion politique est ce qui nous tient ensemble. Or, le sommet de l'État, on le voit sur les retraites, on le voit sur la crise agricole, le pays dit, mais quelle est la vision du monde du travail, quelle est la vision de l'après-travail, des retraites? Les agriculteurs disent, mais quelle est la vision de l'agriculture dans 10-15 ans? C'est plus le sujet des néolibéraux. Les néolibéraux n'ont pas comme objectif de construire un avenir commun par le politique. Les néolibéraux ont comme objectif d'adapter sans cesse leur peuple au présent. Ce que l'historien François Hartogne appelle le présentisme, au travers de modalités qu'Alain Supiot, dans La gouvernance par les nombres, a très bien analysées. Donc ces modalités de pensée et de gestion sont absolument l'inverse du fonctionnement des peuples et surtout du nôtre. C'est pour ça que les Français sont les plus pessimistes au monde et qu'en 30 ans, nous nous sommes affaissés dans tous les domaines. Ce n'est pas pour des raisons économiques. C'est
pour des raisons politico-culturelles. L'imaginaire français projectif universaliste qui fonctionne à la dispute politique commune est le plus contradictoire au fait que l'État épouse des logiques néolibérales à l'inverse. En outre, comme la France s'est constituée autour de l'État et que l'État a précédé la nation, vous voyez la dépression française. Ce qui est chargé de nous tenir ensemble, l'État, tourne le dos à l'imaginaire de la nation. Et donc, ça veut dire un surplomb encore plus important des élites et des classes dirigeantes et un désarroi des Français qui ne savent comment heurter un État chargé de les tenir ensemble. C'est pour ça que j'avais caractérisé tout de suite les Gilets jaunes comme une chacrerie. J'avais dit au président Macron, tu dois recevoir tout de suite les Gilets jaunes à l'Élysée. Il a fait l'inverse. Il a mis Édouard Philippe entre lui et les Gilets jaunes. Donc, il a radicalisé la chacrerie soutenue par les deux tiers des Français, nonobstant les violences. Donc, si vous voulez, il y a une difficulté de nos élites et classes dirigeantes. J'enseigne depuis 32 ans à Sciences Po, et j'ai enseigné autrefois aussi à HEC. Je vois bien le logiciel des élites et classes dirigeantes. Dans leur grande majorité, c'est au fond par inculture, par absence de culture générale, dont le général de Gaulle disait que c'était le ferment de la décision, deviennent des gestionnaires. Hein. On est passé de ce que le néolibéral de gauche, Saint-Simon, c'est pour ça qu'il y a des néolibéraux de gauche et de droite. Hein. Et je distingue, ça n'a rien à voir. Libéralisme, néolibéralisme, ultralibéralisme. Il faut être très précis sur les concepts, sinon on ne comprend rien à ce qui se passe. Donc, Saint-Simon disait le progrès, hein, dans une vision progressiste avant l'heure, car là aussi, il faut distinguer le progrès comme moyen et le progrès comme finalité, ce qui est le progressisme. Donc Saint-Simon, qui était avec Condorcet un initiateur de la pensée néolibérale, disait qu'il faut passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Les hommes refusent totalement de se voir dépossédés de la maîtrise de leur destin. Ils préféreront la guerre et le chaos plutôt que de voir leur destin leur échapper. Dans la guerre, on connaît le rassemblement, le prix du sang, on donne sa vie, on est prêt à prendre la vie des autres. Donc, le nationalisme et le chaos ne sont que les réactions d'une globalisation néolibérale qui est sortie des ronds de la mondialisation, mosaïque de civilisation et peuple, avec chacun des imaginaires différents, mais pérennes. Sur la question de souveraineté et du patriotisme, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais essayer d'imaginer ce que vous répondrez à un élu de macroniste, par exemple. Il vous dirait peut-être que on peut parler désormais de souveraineté européenne, de patriotisme européen. C'est d'ailleurs un peu ce qui agite la question ukrainienne. Finalement, est-on prêt, nous, en tant que peuple français, à mourir pour l'Ukraine? Et chez les macronistes, il y aura cette vision, finalement, de « je soutiens le peuple européen, donc oui ». Moi, je ne suis pas un idéologue. Je ne dis pas le souhaitable. J'analyse le présent et l'avenir par rapport à ce que je crois comprendre du comportement des peuples. C'est sans doute parce que
J'ai dirigé très longtemps un institut de sondage. Je suis un homme d'études. Donc, quand j'entends l'argument souveraineté européenne, patriotisme, est-on prêt à mourir pour? On connaît la réponse. Entre 20 et 23% des Français sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine. Il faut être réaliste. C'est pour ça que le président Macron, quand il n'est pas, il affaiblit l'Europe, il affaiblit la France. Donc il faut d'abord partir d'analyses stables. Il ne peut y avoir de souveraineté européenne. Pourquoi? Parce que la souveraineté, c'est maîtriser son destin, c'est de faire en sorte que tout ce qui me concerne, moi, ça soit mes dirigeants qui en décident. Et donc la souveraineté est indexée sur les peuples. Et chacun des peuples aspire à être souverain. Mais les peuples ne peuvent pas être souverains. Ils peuvent avoir des intérêts communs, ils peuvent avoir un génie commun, ils peuvent avoir un modèle commun. Et l'Europe, c'est un modèle. L'Europe, c'est un génie. Mais en aucun cas, il y a un peuple européen. Il se passe malheureusement même l'inverse. Les peuples se confrontent. Regardez l'amitié franco-allemande qui a été un temps le socle. Regardez la façon dont les dirigeants allemands traitent sur l'énergie, sur le commerce, la France. Je pense notamment au nucléaire, question que je connais bien. Regardez comment Angela Merkel a pris sans consulter personne des initiatives en matière d'immigration. Regardez comment Emmanuel Macron parle comme ça de il y a une hypothèse, tout le monde n'est pas d'accord d'envoyer des troupes sans consulter personne. Donc vous voyez que le fait de dire souveraineté nationale, souveraineté européenne, à la fois c'est faux objectivement et ça ne correspond pas au sentiment populaire. Quand habilement François Mitterrand disait lors du traité de Maastricht, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, là, c'était connecté à l'imaginaire français, il vendait une conception universaliste de la France. Pour en fait, depuis l'acte unique et Maastricht, mettre en place une Europe néolibérale. Jacques Delors parlait de fédération État-nation, mais dans la réalité, l'un et l'autre ont mis en œuvre les institutions néolibérales, des gouvernances néolibérales, des politiques ultra-libérales, découlant des modalités politique qu'est le néolibéralisme, qui se sont retournés non seulement contre la France plus rapidement que les autres pays, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, mais maintenant contre l'ensemble de l'Europe. Et quand Emmanuel Macron parle de réarmer le pays, alors en l'occurrence démographiquement, mais au-delà de la question démographique, moi, c'est le terme réarmer qui m'intéresse. Parce que est-ce que la France a les moyens de réarmer quoi que ce soit en étant toujours soumise, finalement, aux injonctions européennes? Vous avez raison, un pays ne peut pas se réarmer s'il est privé de sa souveraineté. Donc, souvent avec nos dirigeants ces dernières années, c'est pas facile pour eux, hein. Ils sont élus par la nation qui a des aspirations, qui aimerait que leur président mette en œuvre, au fond, le contrat qu'eux-mêmes ont décidé. J'ai travaillé pour 16 présidentiables lors de 5 présidentielles. J'ai travaillé pour 3 présidents de la République. J'ai bien observé qu'une présidentielle n'a pas pour vocation essentielle d'élire un président de la République. C'est pas ça le processus. Le processus, c'est que la présidentielle réactive l'imaginaire français par le bas
au travers d'une dispute politique commune que, comme sondeur confidentiel, j'analysais bien au travers de mes études qualitatives confidentielles. Mais une fois que le président arrive, dès le soir même, il va présenter ses lettres de créance à Berlin. Et le sommet de l'État, Bercy, essentiellement, dans la façon dont fonctionne le sommet de l'État, Bercy, Matignon, les cabinets ministériels, impose sa loi. Et j'ai assisté à de nombreux débats au sommet de l'État et de tensions entre un président néanmoins élu et Matignon et Bercy. La première réforme des retraites, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, d'ailleurs avec plus d'intuition que son ministre de l'époque, Édouard Philippe, dans la lignée d'Alain Juppé, mais indexé, on voit d'ailleurs sur son futur programme présidentiel, complètement sur Bruxelles, c'est un orléaniste, hein, bon, pour faire vite. Bon. Donc, au sommet de l'État, il peut y avoir des débats, des discussions qui résultent de la contradiction entre le fait que la présidentielle noue un contrat implicite et explicite entre le président et la nation, alors que le sommet de l'État est indexé sur Bruxelles. Hein. Donc la crise institutionnelle, enfin plutôt, la crise politique n'est pas une crise des institutions en soi. Changer les institutions ne changera absolument rien. Notre crise est une crise de souveraineté. Les institutions, c'est ce qu'il y a entre l'État et la nation pour faire fonctionner une démocratie libérale. Elles dysfonctionnent forcément quand le pays est privé de sa souveraineté parce que peu à peu, l'État enclavé dans les gouvernances de l'Union européenne se retourne contre les intérêts de moyen long terme. Alors, le pays se révolte, fait des foucades, selon les rapports de force, pour éviter le pire, on lâche de l'argent, mais sans perspective. Si nous sommes à la fois endettés, pas compétitifs, et avec des services publics qui se délabrent, c'est qu'il y a une contradiction entre des réformes et des mesures venant d'en haut, pas du tout adaptées à la façon d'être, de faire et de voir des fonctionnaires, des usagers, des services publics et des Français. Donc l'État met en place des procédures et des politiques qui connaissent par le bas une résistance. Ainsi, les contradictions entre un État qui veut se déconcentrer et un État qui veut se décentraliser avec de facto des dépenses par le bas qui viennent suppléer dans la plus grande anarchie le désengagement de l'État par le haut. Il y a aussi la question de la présidence d'Emmanuel Macron qui m'interpelle. C'est, alors, on peut parler de la crise du Covid, on peut parler des gilets jaunes, on peut parler de la réforme des retraites également, où il y a eu presque systématiquement des passages en force, une tentative. Alors certains disent une tentative autoritaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on a l'impression aussi d'un président qui est coincé dans une sorte de verticalité, un mode très vertical, bonapartiste et en même temps soumis à Bruxelles. Donc, on a un peu du mal à voir quel est son style. Oui, alors c'est pour ça que dès son élection, dans un entretien avec Marcel Wauchet, dans le débat, enfin 2 mois après sa première élection, échangeant à l'époque beaucoup avec Emmanuel Macron, j'avais utilisé le terme de néo-bonapartiste concernant Emmanuel Macron. Son monde intérieur, hein, c'est le
le physicien Pauli qui disait à Jung et le psychanalyste, on voit le monde extérieur à partir de son monde intérieur. Le monde intérieur d'Emmanuel Macron, qui est intelligent et cultivé, est scindé, c'est le en même temps. C'est son monde intérieur. Et donc, il projette sur le monde extérieur, sur le réel, son monde intérieur. Et comme la France est elle-même scindée entre son aspiration universaliste, le fait de vouloir embrasser le monde, comme disait Malraux, et la forme que prend notre adaptation au monde qu'est l'Union européenne, qui fait l'inverse, notre pays est scindé depuis l'acte unique et Maastricht. Et donc, il y a une adéquation totale entre la psychopolitique d'Emmanuel Macron quand il est élu et la situation du pays. Et l'habileté d'Emmanuel Macron pour se faire élire aura été de dire aux Français, parce que c'est un ricœurien et il a lu Michelet, où Ricœur est un protestant, c'est la parabole des talents, il dit aux Français, c'est pas vous les responsables de notre crise, c'est le vieux monde. Ensemble, on va se mettre en marche et on va faire la révolution contre le vieux monde. Et donc, du coup, ce jeune président inconnu va rafler la mise sur cette double habileté qui est la sienne dans son adresse au pays. Bon. Mais, effectivement, comme il est cultivé, il connaît un peu l'histoire de France, son prédécesseur était un économiste. Nicolas Sarkozy était culturellement un Américain, mais c'était un avocat. Donc il avait une forme de réalisme. J'ai beaucoup travaillé de l'intérieur. Bon, Nicolas Sarkozy, au départ, il voulait faire une campagne à l'américaine. Il me fait travailler aux côtés d'Emmanuel Mignon un an et demi avant sa première élection, qu'il y ait tout, et puis finalement il fera venir Guénaud, il abandonnera la discrimination positive et toutes ces lubies de départ américaines pour mener une campagne à la française. Alors, le néo-bonapartisme, c'est la forme Sarkozy et la forme Macron, un peu différente, mais avec beaucoup de points en commun, qu'est-ce que c'est au fond? Mais c'est encore plus en contradiction chez Macron que chez Sarkozy. C'est mettre la verticalité du moment bonapartiste au service du néolibéralisme, au service de la start-up nation. On convoque les mannes de l'histoire, réarmer la nation, réarmer l'imaginaire français. Bon, il a repéré ce qui censément devrait parler au pays, mais dans la réalité, il fait l'inverse. Et son humorisme, c'est de croire que ça se personne entre la verticalité et l'horizontal contradictoire va tenir. De sorte que les Français veulent l'autorité, en fait, ils ont l'autoritarisme. Les Français veulent un chef fort, toutes les études d'opinion, ils ont en fait quelqu'un qui remue en faisant des déclarations, mais comme s'il avait un sabre de bois et on ne pouvait pas penser que sur l'Ukraine, il brandirait ainsi un sabre de bois. Donc, pourquoi sommes-nous dans un moment bonapartiste? Mon analyse, c'était mon débat avec Marcel Gauchet, c'est pas du tout le haut qui fait le bas, c'est le bas qui fait le haut. Alors pourquoi, en un mot, c'est pas Macron qui fait le bonapartisme ou le néo-bonapartisme et qui décide... On met de côté les partis de gouvernement, les corps intermédiaires. Non, c'est pas comme ça dans ma grille d'analyse que ça se passe. Ma conception de l'évolution politique et des grandes séquences politiques du pays, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des disputes communes.
Dans ma grille d'analyse imaginariste, quand les Français peuvent se projeter dans l'avenir, le chemin est là. Le chemin est garanti. Alors la dispute peut se déployer. C'est le moment 68. À partir du début des années 90, pour les classes moyennes, pour la classe ouvrière, dès les années 80, il n'y a plus de promesse que demain sera meilleur. Et donc, dans l'articulation entre, au sein de la dispute commune, elle est fondée, quand la dispute l'emporte, sur la question sociale. Et c'est la question sociale qui fait l'axe gauche-droite. Quand, du fait du néolibéralisme et du capitalisme financier et de ce que devient l'Europe, le pays ne peut plus se projeter ni dans l'espace ni le temps, c'est le chemin qui revient et la recherche d'une verticalité qui surinvestit la dimension, ce que j'appelle la dimension spirituelle, sur la dimension temporelle de la fonction présidentielle, c'est-à-dire la personne, le chef. Et là, le clivage gauche-droite se retire momentanément. Justement, sur ce clivage gauche-droite, est-ce qu'il a encore du sens aujourd'hui ce qu'on a vu se dessiner ces 10 dernières années, la théorie d'un éventuel bloc populiste versus un bloc élitaire? Se pose néanmoins la question de qu'est-ce qui détermine ce bloc populiste, sachant qu'on englobe généralement le RN et la France insoumise, et quand on y regarde bien les programmes de l'un et de l'autre, on y voit que les points de divergence sont quand même très très fréquents. Ça ne veut rien dire. Ces dénominations ne sont que des lectures. Pour vous, quand Emmanuel Macron dit que ce clivage... Ni Gramsci et qui parlent de s'ils ne connaissent pas. Non, nous sommes en France. D'ailleurs, Marx, qui était d'une grande intelligence, avait repéré dans le 18 Baudelaire ce qui était le bonapartisme. Il en était tellement ennuyé dans les continuités entre Napoléon Ier et Napoléon III, alors qu'il pensait qu'après 1948, un gouvernement ouvrier paysan adviendrait, qu'il se sort d'une pirouette sur l'histoire, tragédie et farce. En fait, il est emmerdé, parce que ça ne colle pas du tout avec sa thèse sur le matérialisme historique. Donc, il fait une petite pirouette. Mais en France, Marx comprend ce qu'est le bonapartisme. Le bonapartisme advient quand le clivage social est subsumé par la symbolique politique. Soit parce que l'État a disparu, comme après la Révolution française, soit parce qu'il y a un état d'anarchie dans le pays qui fait que les Français appellent à une stabilisation par la verticalité politique. Donc la situation, quelle est-elle aujourd'hui? C'est que les catégories qui me semblent opérantes sont des catégories de nature politique et non pas qui épousent la vision qui commence à émerger à partir du milieu des années 90 avec le traité de Maastricht, où du côté des Français, il y a l'idée qu'il y aurait des élites. Et du côté des élites, je pense à Alain Minc, à l'époque Jacques Julliard, qui a ensuite bougé, qu'au fond, il y aurait un problème avec le peuple qui aurait perdu la raison, qui serait prêt, passionné, pris à des passions. Donc je n'adhère pas à ça. Et la composition, le programme, la composition sociale, le programme et le projet du RN n'ont rien à voir avec LFI. LFI et la NUPES ont Marine LFI disparaît parce que Marine Le Pen
par intuition, et parce qu'au fond, elle est moins associée aux institutions, ses capteurs viennent en bas, elle a opéré une mutation, notamment, selon moi, décisive après le départ de Philippot, ce qui fait que, depuis les dernières européennes, je ne qualifie plus le RN de formation d'extrême droite, mais de formation bonapartiste. Le RN, enfin plutôt Marine Le Pen, s'est peu à peu éloigné du FN des origines dans l'articulation, pas seulement par rapport à la République, le racisme, l'antisémitisme, mais aussi l'articulation entre la question sociale et la question nationale. La progression du RN dans les intentions de vote ne procède pas d'un quelconque virus ou de campagne médiatique ou ne sais pas quoi, Bolloré ou les jeux de milliards à quatre bandes d'Emmanuel Macron, mais tout simplement du fait que cette formation-là a muté pour s'indexer au point d'équilibre à l'intérieur de l'imaginaire français entre la question sociale et la question nationale. Bon, quant au macronisme, il va retrouver les tensions au fond avec la disparition d'Emmanuel Macron. Il doit la disparition politique, puisque forcément il ne peut pas se représenter. Depuis ses origines, la France est un archipel. Oui, il y a des civilisations qui, à un moment, disparaissent. Je vois, au contraire, des peuples qui reviennent au caractère archaïque de leur imaginaire. Le wokisme et le néolibéralisme convergent ensemble sans l'ombre d'un problème. En rien, le wokisme ne pénètre la nation. L'islamisme travaille les quartiers. Nous, Européens, comprenons mieux que les Américains, du fait de notre histoire, les diversités du monde. Le problème, il n'est pas économique ni technique. Si les communautés humaines ne se réapproprient pas les lieux de décision, alors toutes nos réflexions seront valables après le chaos et après les guerres. La gauche a abandonné tous ses fondamentaux. L'iceberg est très proche. Il doit être possible de retrouver les armes pour reprendre le gouvernail.